Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia. J'espère que vous allez bien, moi c'est K. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation, on va dire même un test, parce que on se balade souvent, puis en plus avec ce beau temps, on n'a pas envie de forcément d'avoir un gros portefeuille avec plusieurs cartes et tout. Et ben moi j'ai trouvé avec sur internet une marque qui s'appelle Iné de chez comment ils disent Yopar, donc je mets tout le lien dans la description. J'ai acheté c'est une porte-carte, mais elle a une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est que elle a une batterie de 3000 mAh incrustée avec le portefeuille. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un portefeuille léger et efficace, et surtout pas en manque de batterie s'il y a besoin lors de votre sortie ou de vos balades. En tout cas, on va voir tout de suite le unboxing après l'intro. Et merci à vous de me suivre à la chaîne et abonnez-vous. Allez, à tout de suite! Donc j'espère que l'intro vous a plu. Donc comme vous pouvez voir, voilà, on va faire le petit déballage de ce petit porte-carte, comme je disais, avec une batterie qui est fixée avec. Donc comme je disais, donc c'est la marque Iné de Wallet et c'est de la marque, comme vous pouvez voir, Xopar. De toute façon, je mets dans le lien. Et cette version que j'ai eue, parce qu'il existe en différents coloris, moi j'ai la colorie bleue et bleu vegan, comme ils disent, parce que cette marque reprend, on va dire, le côté écologique, c'est-à-dire il reprend tout ce qui est du recyclage, que ce soit de la batterie, y compris aussi tout ce qui est tissu pour faire la matière du portefeuille et porte-carte, pardon, et tout. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est écologique, mais assez efficace dans le temps. Donc, vous avez différents coloris, et cette version-là est à 30 €, et après, vous avez des versions un petit peu plus chères, mais après, il y a du cuir, et il y a d'autres couleurs qui sont un petit peu plus flagship, mais c'est assez joli à voir. Donc, le packager est assez sympa, donc c'est une petite boîte, on va dire métallique, donc c'est assez sympa. Et là, il y a une petite indication derrière. Donc, comme vous pouvez voir, donc il y a le porte-carte, les différents câbles. On va voir tout de suite le mode d'emploi. Et donc, comme ils disent, voilà, donc c'est un porte-carte où vous pouvez mettre carte, donc notamment les cartes de crédit, le permis de conduire et autres si vous avez besoin. Elle a une fonction qui est pas des moindres, c'est-à-dire qu'elle est protégée contre tout ce qui est paiement sans contact, parce qu'il y a beaucoup de fraudes actuellement où on utilise des machines. Ou votre carte, maintenant, comme ils sont de plus en plus en contact, il y a des gens qui utilisent des machines qui permettent de passer votre carte même si vous ne l'avez pas passé dessus. Donc elle est vraiment très très slim aussi, donc vous pouvez mettre ça dans une poche ou dans un portefeuille, un sac à main ou autre. Et comme je disais, il y a une batterie de 3000 mAh, donc c'est pas la plus grosse batterie externe, mais c'est assez efficace pour si vous avez besoin de charger vite fait un peu votre téléphone, quoi, pour passer un appel notamment. Donc on va ouvrir ce qu'on va voir à l'intérieur. Donc déjà, vous arrivez sur une belle présentation du packaging. Donc vous avez d'office donc le produit, donc le porte-carte comme c'est indiqué. Donc là, vous avez la petite batterie ici et le porte-carte. Donc vous pouvez mettre des cartes ici, des cartes là, et là vous êtes protégé, il n'y a pas de souci au niveau du sans contact. Et si la batterie vous gêne, vous avez la possibilité de l'enlever, donc par exemple pour le recharger, ou même vous pouvez prendre que cela. Mais je trouve plus intéressant de l'avoir, sachant que elle est prévue pour charger. Donc c'est assez sympa. Mais vous allez me dire, mais comment on va emmener les cartes, les câbles et tout? Voilà, vous avez différents types. Donc on a l'USB, donc l'USB type C vers USB type C, et tout ce qui est Apple aussi éventuellement. Et vous avez tout ce qui est mode d'emploi, etc., les garanties et autres. Donc voilà, donc c'est vraiment assez simpliste et efficace. Donc vous avez vu, voilà, en plus les câbles sont faits en nylon, donc c'est complètement plus résistant que les fils classiques. Et l'avantage, c'est que vous pouvez
les attacher avec votre porte-clé, c'est-à-dire que vous attachez avec votre trousseau-clé de chez vous et vous avez vos câbles directement dessus sans forcément besoin de sortir avec des câbles et c'est assez résistant. Et en plus, voilà, comme je disais, c'est fait avec en nylon, donc vous n'avez pas de souci à ce niveau-là au niveau des fils et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et très pratique. Donc c'est vrai qu'en plus, la matière est assez jolie avec du tissu recyclé. Donc c'est assez sympa et comme je disais, c'est une batterie de 3000 mAh, donc assez efficace pour recharger un petit peu vos smartphones et autres. Donc c'est vraiment très joli à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc comme vous avez pu voir, donc c'est une petite présentation de ce porte-carte inné. Donc voilà, ça s'adresse à tous ceux qui cherchent un portefeuille très simple et efficace. Alors effectivement, on ne peut pas mettre beaucoup de cartes, mais bon, pour un truc qui peut être intéressant quand vous avez besoin de faire vos balades, vous n'avez pas forcément avoir besoin de toutes vos cartes de fidélité ou quoi, juste le strict nécessaire. Et en plus, si vous êtes à court de batterie, il y a la possibilité d'avoir la batterie intégrée. Comme vous avez pu le voir, en plus, c'est très très slim, donc vous pouvez mettre facilement dans votre pantalon, dans short ou type de sac à main que vous le souhaitez. C'est vraiment très léger en plus, même avec la batterie, donc c'est assez sympa. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Donc c'est un produit assez efficace, intéressant également aussi, et le seul reproche on peut dire qu'il manque, on peut mettre que 4 cartes, mais bon, vous pouvez mettre facilement vos cartes de crédit ou un ou deux cartes de crédit si vous avez besoin, votre carte, votre permis de conduire et votre carte vitale si vous avez besoin éventuellement, mais voilà, sans plus. Et effectivement, il n'y a pas de pince à billets ou de monnaie qu'on peut transporter, donc vous pouvez mettre ça dans votre poche, mais voilà. Et en plus, ça ne craint rien au niveau de pièces ou autres, donc il n'y a pas de souci. Et vous êtes protégé aussi des personnes malhonnêtes qui veulent utiliser des machines externes pour faire des paiements sans contact sans que vous fassiez de paiement. Voilà, bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous tout le monde.